J'y vais, est-ce que Brice Pissarré va essayer de prendre un petit peu le sort en main avec le quart de 71, on se souvient de son arrêt dans la première manche, et bien là, il va certainement peut-être vouloir obtenir des points. Bah oui, la preuve, c'est que l'attaque, il est en troisième position actuellement au bout de cette ligne droite d'en face. Mais c'est Jean-Philippe Berner qui pour l'instant rentre en tête dans le virage numéro 3, il rentre trop fort d'ailleurs dans ce virage. Il part trop à l'extérieur et Erwan Oscar en profite pour prendre la place de leader dans cette seconde série. Ouais, ça se bagarre pas mal là, c'est bien, avec Jean-Philippe Berner en leader. Et Erwan Leclerc qui vient contrer de nouveau la belle bagarre entre les deux pilotes là. Entre les pilotes numéro 29 et 36. Donc sur la arrière de course, je crois bien, c'est la bagarre pour également quelques points. Avec Laurent Jiquel et le numéro 37 et Anthony Michel. Qui se bagarre sur la queue, sur le queue peloton. Pendant ce temps-là, eh bien, on a profité hein, pour Brice Barré de prendre une place de mieux. Cela dit, eh bien, Erwan Leclerc est passé également et Jean-Philippe Berner a accusé le coup. Il a accusé le coup dans ce tour. Alors qu'en quatrième position, la présence de Christian Cuchetard, le carte numéro 8. Celui qui s'est placé également parfaitement dans la finale de Canossienne. La semaine dernière, alors que pour la 4e, 5e et 6e place, je crois, 5e et 6e place. Donc oui, les écarts se posent un petit peu déjà entre Mathieu Deuss, Laurent Jiquel et que de peloton qui s'est fait déjà distancé Anthony Michel et le kart 01. Ouais, on vous dit d'ailleurs qu'il rentre d'ailleurs, Anthony Michel qui va rentrer, le kart numéro 1. Attention, parce que sur la tête de course, c'est Erwan Leclerc pour l'instant. Ça bagarre derrière en queue de peloton aussi. Hein. Ah ouais, mais on sait bien, on a le regard partout, mais c'est bien Benoît que vous nous rappeliez, parce que ça va être forcément l'étape où il ne faut pas se manquer pour certains pilotes d'aller reprendre quelques places, quelques miettes, en tout cas pour obtenir les bonnes places sur la grille ce soir. Dans les finalistes, là on a fait un petit peu la boule de flipper là, pour Brice Barré, à gauche, à droite, on a été un petit peu baladé, mais on n'a rien perdu, c'est tout de même la deuxième place qui l'obtient derrière Erwan Leclerc, le pilote numéro 29 qui a bien couru. Hein. Franchement, belle course d'Erwan Leclerc, il est à l'attaque devant M. Jean-Philippe Berner qui prend la troisième place avec le quart de numéro 36. Et dans le dernier virage, c'est donc Mathieu qui sort en tête. Ah non! Une petite erreur de pilotage certainement. Alors est-ce que ça sera Monsieur Cuchetard? Est-ce que ça va être le kart numéro 8 qui va s'imposer? Oui, sur le hot shot. C'est fait pour Monsieur Cuchetard. Là aussi, là, c'est un pilote qui va rien laisser. Christian Cuchetard qui s'est imposé sur le départ. D'ailleurs, on va se faire contrer. Non, ça va, on s'est pas fait contrer. Il y a la présence également de Brice Barré, je crois bien, ouais. Avec le kart 71, il est en plus de 3. C'est Brice qui est là ou c'est Roy qui est là sur le contact? Non, c'est bien Brice Barré et Juan Leclerc est juste derrière. Avec le kart numéro 29, lui aussi, bah, il va rien lâcher hein, parce que c'est ce qu'il a fait ce matin en première et seconde. Et ben attention, la grande bagarre. Voilà, on a pris pour Brice Barré, tout l'extérieur, une double attaque pour le kart 71. Il a essayé cette double attaque dans le virage 1, le double gauche. Et ben maintenant il accélère de nouveau pour prendre la tête de course devant Christian Cuchetard.
là-dedans. Il est en quatrième position. C'est Jean-Philippe Herder qui est en troisième position. Ils sont trois là. Le trio s'est formé. Je pense qu'il y a du tempérament là-dedans et que ça va exploser. Ils sont taqués les garçons. Benjamin Toubulik qui vient de passer avec le kart numéro 11. Et puis le kart 37 pour boucler. Laurent Jiquel. Malheureusement victime, on est dans, à mon avis dans le virage numéro 1 là, Erwan Leclerc n'est pas sorti indemne de ce virage. Alors que Brice Barret s'envole vers le niveau, le nouveau kilo, le kilo à effectuer. La troisième place, Benjamin Toubulik, la quatrième avec le kart numéro 11. Et Laurent Jiquel, donc pour la quatrième place, qui vient d'attaquer le premier virage là-bas. Tout seul hein, pour la victoire du côté du double gauche. Allez, le cinquième du classement général qui va venir signer sur le museau du kart 71. Eh bien, une belle victoire en manche. Et quelle victoire, parce que c'est la troisième et dernière manche qui arrive devant Christian Cuch, numéro 8, et Jean-Philippe Herder, le kart du rond 36. Benjamin Toubulik, donc quatrième sur cette manche, et suivi pour fermer la marche de cette manche du kart numéro 37 de Laurent Jiquel.